Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Et ouais, vidéo exceptionnelle, vous en avez marre de me voir ou quoi? Eh bien oui, vidéo exceptionnelle, pourquoi? Vous le savez, il y a quelques temps, je vous avais parlé, il y a quelques semaines, d'un nouveau produit IMAX. Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui c'est le lancement officiel. Alors pourquoi ce lancement officiel? Pourquoi on n'a pas le droit d'en parler avant, etc.? Bah, c'est juste pour une égalité entre les youtubeurs. Donc bien sûr, je ne suis pas obligé de faire la vidéo aujourd'hui à 18h, mais c'est aujourd'hui à 18h le lancement officiel du tout nouveau petit Nano Hawk de chez IMAX. Le voici, le voilà, un des plus petits et des plus légers, 20 grammes, même pas, 19, quelque chose grammes. Donc je vais vous parler aujourd'hui du Nano Hawk. J'ai eu les toutes dernières informations il y a quelques minutes, au niveau du descriptif, etc., et des composants, même si j'avais bien un petit peu décomposé moi-même. Par contre, je n'ai pas encore les liens, donc j'espère que je les aurai à la sortie de la vidéo. J'aurai le lien Banggood, ça c'est sûr, en collaboration avec IMAX, bien sûr, avec un coupon sur... très peu de temps, je crois qu'il y a très peu d'exemplaires, mais Mariette me donne un coupon de 10% qui va fonctionner un petit moment. Donc pas très longtemps sur pas beaucoup de pièces apparemment. Et j'aurai normalement également le lien IMAX, mais pour l'instant il ne mène à rien. Donc il n'est simplement pas encore en ligne sur leur site, puisque au moment où je fais la vidéo, il n'est pas encore sorti officiellement. Donc bien sûr, juste avant de commencer, dans la description vous trouverez bien évidemment les liens de ce petit produit là et les coupons, mais également mon tableau de coupons et promos, parce que là on arrive en décembre et il y a souvent en décembre des belles petites offres aussi. Donc j'essaierai de les faire ressortir sur le tableau si je peux, mais sinon vous savez que les nouvelles entrées sont en orange, sur fond orange généralement, c'est les nouvelles entrées au tableau. Donc je compte sur vous pour aller jeter un œil à ce petit tableau de coupons et promos. Vous le savez, ça aide ma chaîne, même quand vous cliquez simplement sur un des liens pour aller voir la fiche produit, pas forcément en achetant, mais rien qu'en cliquant, c'est vrai que vous aidez la chaîne, parce que vous montrez à Banggood qu'il y a une activité par rapport à ma chaîne, et ça, ça fait plaisir, je sais que vous le savez déjà. N'allez pas cliquer sur tous les liens, un par personne, ça suffit largement. Et vous savez aussi que vous participez au concours permanent dès que vous achetez la moindre chose en partant d'un de mes liens, vous participez... Je le remets ici au petit concours permanent que j'avais lancé il y a quelques temps, et on aura très très bientôt le premier tirage. Je ne sais pas si je ferai une vidéo samedi, je vais voir, j'attends quelques produits, donc peut-être une vidéo avec un tirage au sort, certainement avec le tirage au sort du concours permanent. Je sais même pas si c'est ce samedi là, on fera bien, on fait ce qu'on veut, de toute façon on est chez nous. Donc peut-être une vidéo samedi si je reçois quelques petits produits à vous montrer en preview juste pour vous, et puis un petit tirage, donc je ferai peut-être une vidéo très courte si j'en fais une. Aujourd'hui, on parle donc du Nano Hawk de chez IMAX, un des meilleurs pour débutants en intérieur. Voilà, même s'il vole, vous allez le voir en extérieur, donc j'en ai profité hier parce que là il fait un temps de chien. On va se faire un petit vol à vue, bien sûr, rapide, et j'en ai profité hier pour faire un vol en indoor et un vol à l'extérieur parce que j'avais pas un brin de vent. Il faisait un temps plutôt correct. Donc vous allez voir qu'il fonctionne bien en indoor, mais pas seulement. En extérieur aussi, à condition de ne pas avoir trop de vent. Donc, une petite plaquette de stickers, manuel et support. Donc oui, vous verrez, je sais pas s'il sera sur le site, mais moi, on m'a envoyé la notice complète. Donc je la mettrai peut-être en lien dans la description, mais je pense qu'elle sera sur le site tout simplement, ou même sur le site Banggood. Le petit engin, le voici, ce petit Nano Hawk. On va en parler tout de suite, il est mini, il pèse rien. Vous aurez également un adaptateur ici pour la batterie, vous en avez un deuxième également dans la boîte. Des petits élastiques ici pour remplacer là ceux qui maintiennent la batterie. Et vous avez aussi quelques petites vis et un ou deux cylindres blocs pour remplacer sur la carte de vol s'il y a besoin un jour. Un deuxième adaptateur. Et pourquoi il y a ces adaptateurs? Parce que la batterie, ils ont changé un petit peu le même style que Beta FPV, qui avait changé pour des prises BT 2.0 pour avoir des plus gros fils en 1S et une plus grosse prise que les PH2.0. Tac, je vous montre qu'on trouve habituellement. Donc vous voyez, les câbles sont un peu plus fins, les connectiques sont plus petites. Donc ils ont décidé également de changer. Là on a une petite batterie 300 mAh en 80-160C.
Donc ce sont des LIHV, bien sûr, 4V35, et donc avec des plus gros câbles et une plus grosse prise pour favoriser simplement la pêche et la bonne exploitation de la lipo, tout simplement. Donc vous allez voir, ça fonctionne super bien. Je vous laisse la surprise pour le temps de vol et ce genre de choses, mais pour un nano de cette taille-là, avec le petit répondant qu'il a, même sur le vol à vue, on s'en rend compte, c'est plutôt une bonne initiative. Alors le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir utiliser toutes les autres batteries que vous aviez, à moins de bricoler un adaptateur, mais si vous bricolez un adaptateur, soit il faudra couper les fils ici pour récupérer une grosse prise, soit il faudra mettre une PH2.0 femelle pour sortir comme ça. Je sais même pas le nom de cette prise, ça ressemble à du JST. Entre nous d'ailleurs, avec des JST, hop, on arrive à se connecter, vous voyez, JST mâle femelle, faut juste faire attention, hop, à la polarité, mais là ça se connecte. Donc ça doit être la même norme que le JST à peu près, les repères sont pas au même endroit, mais si on fait bien attention au câble, ça se connecte à l'intérieur. Donc ça doit être une sorte de JST, je pense, je vous le mettrai si jamais je trouve le nom. Mais par contre, voilà, vous allez réduire le flux de puissance si vous changez la prise ou que vous passez par une PH2.0. Donc c'est pas l'intérêt. Vous en trouverez, si j'ai les liens, je vous mettrai les liens pour avoir d'autres batteries de ce genre-là. Ah oui, je vous ai pas dit un petit détail, je vous l'offre. C'est pour ceux qui sont restés jusque là, c'est déjà bien. Je vous l'offre et pour le gagner, mettez-moi juste, je sais pas, un petit mot dans les commentaires. Vous savez que vous n'avez pas besoin de liker, etc. Mettez-moi un petit mot dans les commentaires et je tirerai au sort parmi les commentaires pour vous offrir ce petit Nano Hawk. Bien sûr, ça me fait plaisir. On approche de Noël, je vous l'avais dit. Bref, donc cette petite batterie avec cette nouvelle prise, un super méga tournevis pour mettre dans la boîte à outils, un petit chargeur ici LIHV. Donc là, celui-ci ne pourra pas servir à vos lipos parce qu'il n'y a pas de petit bouton pour changer la puissance. Mais donc LIHV en USB. Et vous aurez 4 petites hélices de rechange. Ce sont des petites Avia Nano Hawk en 12-01 et 4 pales, bien évidemment. Donc des mini hélices, des nano hélices. Et le sens de rotation est vers l'intérieur. Basique comme ça. Enfin, ça, vous l'avez dans la notice de toute façon. Donc voilà tout ce que vous aurez avec ce petit engin. On va mettre la boîte là, comme ça vous la voyez. Et on va parler de ce petit bébé. Alors, je vais le peser tout de suite, de façon à ce que vous voyez que je vous dis pas de bêtises. Tac, et on arrive à 20 grammes. Voilà, 20 grammes 0,5. Hop, tout à l'heure je l'avais pesé, ça doit être l'attraction terrestre, je sais pas, il faisait 19,9. Donc là, je lui ai rajouté, je sais pas, peut-être des poils qui sont tombés dessus. Donc 20 grammes pour ce petit engin. On a un petit châssis carbone ici en 65 mm. Sur toute la largeur ici, on arrive à 87 mm. Au niveau de la distance totale autour des protections d'hélice ici. Les protections d'hélice, c'est en une seule pièce, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est assez souple, donc ça absorbe bien les chocs. Sans aucun souci, surtout quand on sait que l'engin fait 20 grammes, ça suffit pas pour les plier en cas de choc, ça rebondit littéralement. Donc c'est vraiment, vraiment étudié pour les débutants. La petite antenne du VTX, elle n'est pas branchée en IPEX, elle est soudée directement sur la carte, donc là, pas besoin de colle jaune. Je vais vous en parler du VTX, vous allez voir. La caméra, c'est une petite Nano 3, donc vous verrez que c'est plutôt correct. C'est bien sur un petit engin comme ça, ils ont mis la plus légère, la plus petite qu'ils avaient. La carte de vol, c'est une F4, firmware Matec F411 RX. Avec un ESC bien sûr 4 en 1, 5 ampères qui peut monter jusqu'à 7 ou 8 ampères en pic. Et donc le petit VTX qui est ici, alors je vais vous parler surtout du VTX et après on va aller voler parce que vous avez vu c'est vite fait quand même le tour. Donc à la base le VTX quand vous allez le recevoir il est configurable par l'OSD bien sûr, en Smart Audio, mais vous avez aussi un petit bouton dessus. Ce VTX comme souvent chez IMAX il va être bloqué à 25 milliwatts en sortie et sur les 40 canaux disponibles vous en avez 15 de moins en version EU. Donc vous n'aurez pas accès à certains canaux, vous aurez bien sûr le R4, le R5, le R6, mais vous avez, il y a quelques canaux qui ne sont pas dispo et vous êtes bloqué à 25 milliwatts. Vous avez l'autre possibilité, c'est de pouvoir le déloquer, tout simplement. Non seulement vous n'aurez plus que 3 canaux qui ne seront plus disponibles, donc on se retrouve avec 37 canaux possibles, mais vous allez aussi pouvoir ajuster la puissance. Et je sais que j'ai 3 puissances d'ajustement, on va voir ça ensemble. Je ne sais pas à quoi correspondent, donc le 25, je pense que ça doit être 100 et 200 milliwatts.
quelque chose comme ça. Donc vous allez voir qu'en 25 mW, déjà la portée est suffisante pour un petit engin en indoor. Maintenant, si vous manquez un peu de puissance ou qu'il y a trop de parasites, vous saurez que vous pouvez passer en un peu plus haut. Même si la norme française, c'est 25 mW, bien sûr. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Le VTX est dessus. Au niveau de la carte de vol, ouais, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a un bouton de bind. Alors, vous pouvez binder de deux manières différentes. Soit vous allez par le CLI, et je vous mettrai la ligne de commande, bind, RX, SPI. Je vous mettrai la ligne de commande dans la vidéo. Donc, soit vous bindez directement par le CLI quand vous êtes branché. Entre nous, quand vous branchez en USB, ça alimente le récepteur, mais aussi le VTX. Donc, vous pouvez faire tous vos réglages juste par l'USB. Et en fait, le bouton de bind, il est à l'opposé ici du branchement sur le dessus. Donc voilà, vous avez le branchement ici, vous allez à l'opposé et sur le dessus, on voit apparaître le petit bouton de bind ici. Donc pour binder, vous branchez d'abord votre appareil et ensuite vous maintenez 2 secondes le bouton de bind. Vous allez avoir un petit LED bleu, ça veut dire qu'il est en mode bind. Et là, vous vous bindez, il est en FRSky, bien sûr, en D8, c'est la norme conseillée pour avoir une meilleure réception. Vous aurez 4 canaux auxiliaires, tout simplement. Donc voilà, c'est tout simple. Le même bouton sert aussi au boot, mais là pour le boot, si vous voulez flasher le firmware, soit vous le faites par le CLI, soit vous maintenez le bouton de boot et vous branchez à Betaflight, et là vous passerez directement en DFU. Mais ne changez pas, comme je le dis souvent, quand ça fonctionne, ne changez pas le firmware, c'est pas la peine, n'écoutez pas ceux qui vous disent passe au dernier firmware, tout ça, non. Réglez-le déjà, essayez-le, et s'il y a un problème, changez le firmware. Mais en attendant, si ça fonctionne, ne changez rien. Les petits moteurs, c'est des 80-20, je crois, que je dis pas de bêtises, c'est des 80-211 en 19 000 kV. Donc des tout petits moteurs, mais on voit pas, parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Des tout petits moteurs, mais bah, qui marchent bien, ma foi, j'ai pas été déçu. Donc là, le VTX, comme je vous disais, tiens, je vais utiliser mon petit câble ici pour que vous voyez bien la manipulation avec le petit interrupteur. Donc quand vous mettez en route le drone, vous voyez, ça clignote en bleu et ensuite en vert. On compte 5 clignotements bleus. Et 6 clignotements verts, ça veut dire que je suis sur la 5e bande et sur le 6e canal. Je crois que je vais brancher la radiocommande, sinon on va plus s'entendre. Tac, je mets en route. Ouais, le VIP, c'est parce que j'ai activé, vous aurez tout mon Betaflight, bien sûr, à la fin de la vidéo. J'ai activé le buzzer sur... parce qu'il n'y a pas de buzzer, le buzzer pèserait plus lourd que le drone. J'ai activé le buzzer sur les ESC directement. Je remets en route tout simplement sans rien toucher. Et comme vous le voyez, ça clignote 5 fois à gauche et 6 fois à droite. Ça vous le fait 2 fois et ensuite ça s'éteint. Tac, ça vous donne directement sur quelle bande et quel canal vous êtes. Si vous voulez changer, il va falloir maintenir 5 secondes le petit bouton ici. Je compte jusqu'à 5. Tac, et j'ai la lumière bleue. Ensuite, je remaintiens 2 secondes. Là, c'est pour changer les bandes. Tac. Donc, j'appuie. Ah, je suis sur la 1, pardon. La 2, la 3, la 4 et la 5. Je reviens sur la 5. Ensuite, je remaintiens 2 secondes. Tac, ici, c'est verrouillé. J'appuie un seul coup. Une fois que j'ai validé, hop, je passe sur les canaux. Je remaintiens 5 secondes jusqu'à ce que ça clignote, et là je vais pouvoir changer mes canaux. Une fois que j'ai choisi mon canal, je maintiens 5 secondes pour, et voilà, ça s'éteint. Donc là c'est validé une fois qu'on a maintenu. Maintenant, là vous êtes en 25 mW et vous avez que, je vous ai dit, 25 canaux disponibles. Si vous voulez passer en FCC, il va falloir maintenir le petit bouton ici et allumer. Tac, là on a une petite lumière verte, je maintiens pendant 5-6 secondes. Tac, et là, j'ai les deux qui sont allumés. Donc une fois que j'ai les deux d'allumés, je rappuie un petit coup, et là, j'ai 3 clignotements. Je rappuie un coup, j'ai 1 clignotement. Je rappuie une autre fois, ça clignote 2 fois, donc je pense 100 mW, et je rappuie une autre fois, et ça clignote 3 fois. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir choisir la puissance du VTX. Là, je le remets en 25 mW. Tout simplement. Le mieux, c'est de choisir le canal que vous voulez directement avant. Une fois que vous avez choisi votre canal, moi c'est R6. Là, si vous voulez passer en 100 ou 200 mW, vous maintenez votre bouton VTX, vous mettez en route votre drone, et là vous allez pouvoir choisir la puissance si jamais vous n'avez pas assez de 25 mW, libre à vous. Donc voilà comment fonctionne ce petit VTX qui est locable, délocable.
Donc pour finir avec ce petit nano que je vous en ai pas parlé, la petite antenne, c'est le petit fil rouge que j'ai scotché ici. Vous pouvez le mettre vers le bas, vers le haut, comme vous voulez. Moi j'évite de le mettre à l'intérieur vers le VTX parce que ça peut créer des interférences. Donc c'est simplement ce petit fil rouge qui est soudé sur la carte directement, qui fait office d'antenne. Et on voit sur le corps que la caméra est montée sur un espèce de système un peu souple. Vous voyez, on peut le soulever ici. On va pouvoir le renfoncer un petit peu. Donc si on le clipse un peu plus loin, on va pouvoir avoir un petit peu plus d'angle. Mais c'est pas réellement réglable, hein. C'est plus un système d'amortisseur ici pour éviter justement qu'il y ait trop de vibrations, j'imagine. Donc trêve de blabla et on va aller voler. Allez, c'est parti pour un petit test en vol à vue, vite fait, avant que ce soit la tempête. Parce qu'alors aujourd'hui, ils annoncent vraiment un temps pourri. Tac ! On le voit même pas. Vous le voyez, vous ? Allez, mode stabilisé, vitesse 3. Let's go ! Alors par contre, ouais, je suis en profil rate 1. J'ai pas changé le profil rate. C'est pas grave. Donc il est tout doux, hein, il fait vraiment pas de bruit. Ah si, mais pas beaucoup. Il réagit super bien. Hop, vous voyez dans le sens du vent. Vous voyez par où le vent va. On va se faire un petit test de punch. Parce que ça donne en 1S. Allez, test de punch dans 3, 2, 1. Ah, il est vraiment ultra light parce que même en 1S, franchement, il réagit bien. Pour la taille du truc. Il vole super bien. C'est impressionnant. Enfin, impressionnant. Est relatif. Petit mode horizon vite fait, mais je suis en profil rate 1, donc il n'y a pas beaucoup de répondants. Et hop là. Il marche vraiment top. Très très sympa ce petit engin. Alors attention, je suis en mode horizon, faut pas que je pousse à fond sur les sticks. Tac, mode stabilisé. Excellent. Allez, on part en FPV. Yep, c'est parti pour un petit test en vol à vue avec la batterie d'origine bien sûr. Donc on va rentrer dans les options, je pousse milieu gauche et vers le haut. Et on va rentrer dans les profils. Je vais mettre en profil 1, le profil d'origine. Voilà. Hop. Save and exit. Comme ça, vous saurez comment fonctionne l'OSD et le Smart Audio. Allez, c'est parti. Donc déjà, il est tout doux. Alors, on le sait, vous verrez, mais bien sûr, mon Betaflight à la fin de la vidéo. Mais le profil 1 est vraiment, le rate profil 1 est vraiment réglé avec beaucoup d'expo. Et très peu de rate, donc ça permet vraiment, vraiment l'initiation, c'est clair. On peut vraiment y aller tout doux. Donc en intérieur, ça va, la caméra est correcte, hein. C'est pas non plus la folie, comme on dit. Mais on a vu pire. Vous voyez, sur la baie avec l'éclairage. Donc ouais, pour l'initiation, c'est vraiment pas mal, il est précis. Hop. Et il est vraiment tout petit, donc on va pouvoir se faufiler dans des tout petits espaces. Donc ouais, profil 1, il se manie vraiment tranquille. Hop, et je pousse pas mal sur les sticks, comme vous le voyez. On a vraiment beaucoup d'expo, je crois qu'on est à 60 en expo. Et par contre, ouais, voilà, ça permet franchement de pouvoir le manier en douceur. Bon, c'est un des plus doux que j'ai testé. Hein. Bon, le profil rate, il fait énormément, c'est sûr. Mais le poids de l'engin aussi. Allez, on va pousser un petit peu.
ça passe. Non, ça passe pas. Oh, j'ai tout pété. Je vais me faire disputer. Je sais pas où je suis. Est-ce que je tente un return? Ah, je devais être par terre. Ah, ça y est, je suis à l'endroit. Ah, je suis sur un meuble. Ok, allez, j'y retourne. J'étais sur l'étagère, en fait. J'étais posé sur l'étagère. Bah ouais, j'ai viré le porte en sang. J'étais posé là. C'est gaulerie. Donc ouais, attention, si vous voulez pousser un peu, je vous conseille de créer un raid profil 2 un peu plus nerveux. Parce que là, c'est vraiment destiné à l'initiation. Ça passe. L'altitude se maintient bien, on arrive bien à régler sa hauteur, sans souci. The stars. I wish you a Merry Christmas. C'est pas encore. C'est bientôt. Non, vraiment bien, hein, pour l'initiation, c'est costaud, voilà, ça encaisse les chocs. Le rapport résistance-poids, franchement, il fait énormément. La conception du drone qui fait que 20 grammes, je vous le rappelle, sans batterie. Donc ça doit faire, hein, ça doit jouer quand même pas mal leur nouveau concept de branchement. C'est comme la BT2 pour Betaflight. On conserve pas mal de pêche et la régulation se fait beaucoup mieux. Ah, j'ai vraiment beaucoup d'expo au départ. 3 minutes 30, allez, et 3:30 en réserve. On va rentrer, on va se poser tranquillou pilou. On va faire le tour du rond-point. Tech. Yep les amis, allez, c'est parti pour un petit test en extérieur. Alors par contre, on va se mettre en profil raid 2. Parce qu'on a vu que le 1 était avec des... une expo de malade et des toutes petites rates. Voilà, donc on profite raid 2. On va avoir un petit peu plus de pêche. C'est parti. Ouais, le RSSI baisse tout de suite. On voit qu'on n'a pas une grosse portée. Hein. C'est vraiment un engin de proximité. Donc j'ai des petites vibrations à l'image. Ça c'est le montage sur châssis plastique. Donc on peut, il a une petite poussée quand même grâce à certainement à cette grosse connexion de batterie. Il est maniable. Donc oui, pour l'extérieur, bien sûr, pas trop de vent. On a une bonne petite pêche. Ouais, c'est vraiment un appareil pour s'initier, c'est clair. Il est même à privilégier pour l'intérieur. Je sais même pas si je peux tenter un tour de la maison au niveau du récepteur SPI. On va essayer. Signal RF faible. Bon, j'arrive à faire le tour de la maison quand même, c'est pas mal. Donc en extérieur, voilà, dès qu'on vole un peu plus rapidement, la batterie forcément. Par contre, il est super light, il réagit bien. C'est vrai que là, aujourd'hui, il n'y a pas un brin de vent. C'est le temps idéal, j'ai envie de dire. Pour ce genre de petit engin.
Ouais, la caméra, c'est pas le top du top. Vraiment, le petit engin pour l'initiation. C'est costaud, c'est super léger. Alors, j'ai vérifié ma batterie tout à l'heure. Je sais que quand j'arrive à 3,40, en fait, je suis encore à 3,70 sur ma lipo. Donc, je ne vais pas insister trop longtemps. 2 minutes 40, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir si on est précis. Presque. Et on va tester la batterie à l'atterrissage. Et comme je vous disais, vous voyez, on est à 3,52. Donc c'est encore correct, même si je me pose à 3,30, 3,33. Eh bien, ça reste bon. Le mieux, c'est de ne pas descendre en dessous les 3,50, même si ce sont des LIHV, bien sûr. Donc voilà, les amis, pour ce petit Nano Hawk de chez IMAX. Bah écoutez, faites-vous votre propre petite idée, comme d'habitude. En tout cas, celui-ci, il est pour vous. Je ne l'utilise plus. Je ne veux pas l'abîmer. Je ne veux pas le griller. Donc, je vous le mets de côté. Et puis, réponse d'ici 8 jours à peu près, dans la semaine prochaine. Donc, bravo IMAX. Merci, Nicole, de m'avoir envoyé ce petit joujou en exclusivité, encore une fois. Et puis, bah, moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao !